Et très numéro de téléphone. Donc du coup, on a après celle-ci à faire. Mais par contre. Alors celle-ci, le problème est tout autre. Ah oui, du coup, j'ai pas mon. J'utilise le câble de charge. J'en aurai un autre câble. J'aurai un autre câble micro USB. Ben, je vais aller voir. Je vais aller voir dans mes câbles. Hein, du coup. Salut Coupeau. Alors, j'ai retrouvé mon câble. C'est bon. Ça va, je savais où il était. Quand même. Hop, je vais juste ranger ça dans la grande pochette. Je vais pas en avoir besoin. Donc, le souci de cette tablette, qui est, comme je vous le disais, tout autre, hop. Donc, je sais pas si on va le voir, on le voit peut-être un petit peu à la caméra, mais on le voit beaucoup mieux avec le câble. Vous voyez comment on bouge le câble? Prendre l'autre tablette pour vous pour comparer. Le câble ne bouge pas. Hein. Là, câble il bouge. Donc, je vous le donne en 1000 et 1000. Le port de charge est mort. Voilà, le micro USB qui est mort. J'espère que je l'ai. Ah, attendez. J'ai oublié de ranger ça en plus. Punaise. Je range les choses. Je fais ça bien. J'en oublie. Salut Fibilia. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. C'est le combien? C'est le 19. Le 19, c'est cette pochette-là, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'autre. Cette pochette-là. Salut Raphaël. Hop. Voilà. On range bien. Bah oui, ça faisait très longtemps même. Donc. J'ai aussi un stock de micro USB. Quand même, vous rendre compte que la boîte fait la taille de la tablette. Pas tout à fait, mais presque. Ça doit être pas loin de la taille de l'écran de la tablette. Sachant que c'est une 8 pouces celle-là, si je dis pas de bêtises. Regardez, si je la mets sur l'écran, on a presque l'écran. Ça glisse. On a presque la taille de l'écran. Attendez, je vous comme ça.
Hop. Salut Pro Praxwell. Première fois que je passe sur le live depuis que je me suis follow suite à un raid de Monsieur ML2G il y a quelques mois. Bah c'est sympa de passer, j'espère que le stream te plaira. Par contre, va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour cette lampe aussi. J'ai une lampe pour éclairer, pour que vous ayez vraiment, vous voyez bien. Mais elle a tendance à se casser un peu la figure. Le bouton on-off est très malade. C'est-à-dire que tu souffles dessus, la lampe s'éteint. Bon, il faut souffler un peu fort, mais pour vous donner l'idée, c'est tu souffles dessus, la lampe s'éteint. Du coup, alors là, ça va être un peu plus tricky parce que, encore sur une Logicom, oui, je passe du coq à l'âne, je sais. Sur une Logicom, les soudures sont pas ultra quali. C'est du premier prix, les soudures sont pas ultra quali. Chez Samsung, ils ont pour habitude de faire des soudures ultra quali. Donc, autant vous dire que ça va être un bordel à dessouder. Mais vraiment, hein, quand je dis un bordel, c'est vraiment le bordel. J'en ai déjà fait du Samsung. C'est quali, mais trop quali des fois. Ça donne un taux de réparabilité qui est très faible. Après, autant vous dire, de toute façon, la tablette est morte. Hein. Elle charge plus, la tablette est morte. Hein. Donc, par contre, sur celle-là, vu le scotch que c'est, on va être obligé de le changer complètement. On va être obligé de changer tout le scotch. Parce que ça, c'est le genre de scotch qui, une fois décollé, ne colle plus très bien. Attendez, je vais faire une photo pour voir les emplacements où il y a du scotch avant. C'est un scotch d'isolation. C'est pour éviter tout arc électrique. On voit quelque chose au moins. Ouais, ça va. C'est pour éviter les arcs électriques. Donc ce scotch-là, en fait, c'est juste de l'isolation. D'une, ça évite les arcs électriques et de deux, ça évite aussi que ces petits trucs se débranchent tout seuls. Oh, punaise, un truc à la con pour la batterie. Ça a une double utilité, en fait. Et vu que c'est fragile. Genre un petit choc, ça peut. Comment ça, t'es perdu? Simple pourtant. Si t'as des questions, n'hésite pas, hein, je réponds. Voilà. Donc, premier truc à faire, c'est débrancher la batterie. De toute façon, elle est vide. Hein. Là, c'est quoi comme système? Tirer un peu plus. Ah, là. Hop. À débrancher la batterie.
Après, on va tout débrancher. La batterie étant vide, il y a moins de risque d'arc électrique, hein. Mais débrancher la batterie en premier, ça permet de, quand je prends mon outil comme ça métallique, d'éviter de faire un court-circuit. Dans l'idée de toute façon, essayer tout le temps de débrancher la batterie avant de débrancher n'importe quoi sur des, sur un appareil comme ça. Que ce soit un téléphone, une tablette, un PC portable, n'hésitez pas toujours à débrancher la batterie. Alors. Hop. Ah, donc, l'appareil. Oui, vous êtes là pour. Là, c'est l'antenne Wi-Fi. Voilà. Ça, c'est l'ensemble afficheur et écran tactile. Ça, c'est la caméra face avant. La caméra selfie, hein. Et ah quoi que ça non ça quoi celui-là non ça c'est le tactile et ça doit être le LCD pas un ensemble c'est deux séparés. Voilà, maintenant, on enlève les vis. En douceur, bien sûr, hein, toujours. Déjà, on voit le nombre de vis, hein. Donc là, il y en avait 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en vois pas d'autres. La Logicom, il y en avait 3, hein. Économie de petite échelle. Mais bon, 4 vis en moins sur une carte mère, multiplié par le nombre de tablettes fabriquées, puis de la petite économie. Mis bout à bout. Comme le scotch. Le scotch que Samsung utilise est un des plus qualitatifs sur le marché. Mais c'est aussi un de ceux qui coûte le plus cher. Hop. Alors, normalement, si je prends ça, voilà là. Hop. Voilà. De Renault. Alors, maintenant le truc le plus drôle, c'est de trouver le port USB qui va correspondre. Déjà, c'est un 4 points. Déjà, c'est un 4 points. Partirait potentiellement sur ça. Ah non, c'est un 2 points celui-là, pardon. Alors, attendez. En 4 points, j'ai quoi? J'ai celui-là. Toujours ceux qui sont les plus relous à des, bien sûr. J'ai celui-là. Et lequel autre? 4 points, 4 points, 4 points. Bon, ça, c'est trop long. Ça, c'est trop long. Ça, il n'y a pas de. Ça, non. Ça non plus. Celui-là, peut-être. Qui ressemble, qui ressemble. Pas plus simple à souder, du coup. Pas de bêtises. Hop, c'est la même longueur. Ouh.
Alors, j'ai quoi d'autre qui pourrait... Il y a aussi le nombre de broches. J'ai l'impression que c'est un... plus que 5 broches dessus. Ouais, non. Ouais, non. Ouais, non. Ouais. Non. Toi, t'es... celle qui sait pas, ça va sur la carte mère, ça va. Il y a une petite encoche dans la carte mère. Celle-là, c'est celle que j'ai déjà sortie. Celle-ci. Hop. On est ultra limité en choix. Ah non, c'est pas celle que j'ai déjà sortie. Hop. Après, ça s'adapte un peu. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça. C'est non. Bah, le choix est ultra limité. J'ai l'impression que j'en ai que 4 qui pourraient correspondre. Ah si, j'ai ça, mais ça c'est trop long, je pense. Ont l'air d'être les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. Celle-là, à mon avis, est trop longue et trop épaisse. Déjà, hop. Mais non, mais c'est surtout pas le même port. J'avais pas fait gaffe. Mais attendez. On sait qu'avoir que du micro USB maintenant en fait. J'ai du micro, du mini et du... Bon, ça c'est du mini aussi. Non, j'ai pas de C. Bon. Micro et mini. J'ai deux mini USB. Donc, maintenant, on va rigoler. Celle-là, ça pourrait le faire. Il ment. Celle-là. Là. Non, c'est vraiment celle-là hein, qui correspond le mieux. Hein. Pas exactement les mêmes modèles, mais c'est celle qui correspond le mieux. Donc, alors maintenant, faut les ranger. Non, aussi ça. 4 toc toc c'est i. 4 comme ça, boucle là, c'est là. Ah, et ça va là. Alors, hop. Maintenant, ça va être le côté drôle de faut dessouder. J'espère que 400, ça suffira. Hein. Oh là là. Très compliqué. Bon, déjà celui-là va pas le faire. Hop, on va changer d'état. Alors. Mettre un peu de flux au pire. Hop.
Elle est où? Il sort le flux ou... Ah oui, c'est bon. Ouais, c'est ce que je vais faire. Où je lance mon truc à air chaud. Attendez. Attendez. J'ai pas les embouts par contre. Là, en termes de précision, ça va être très compliqué. Alors, j'arrive. Mais 408 degrés. Ça va être bon. Ah, trop court. Voilà. Après, il souffle pas très fort, le con. Il peut pas souffler plus? Ah non. Voilà. Alors quand ça fume l'autre côté, c'est pas bon. Ah non, ça va pas le faire à l'air chaud. Va pas le faire à l'air chaud. Mais le problème, c'est que trop chaud, enfin, comme j'ai peu de précision, très chiant. Après, le scotch à lui a fait son taf.
C'est l'avantage. Le chalut a fait son taf de dissipation de chaleur. 280? Ouais, mais. Alors 280, ouais, si je pourrais. Mais le problème, comme je te dis, j'ai pas mes embouts. J'ai pas compris, il y a la lumière là, vous voyez le bout là. C'est incrusté d'un coup. Comme dit, j'ai pas les embouts, c'est très chiant. Non, mais on va faire autrement, c'est pas grave. En vrai, c'est toujours le truc le plus saoulant du monde, ça. Dessouder ces punaises de trucs. Ah, il y a l'autre solution, hein. Dégommer le truc, hein. Quoique, ouais, ça va pas être jouable. Enfin, c'est le gros problème de mettre de la qualité, Samsung. Pense vraiment qu'à 280, j'arriverai à tout dézinguer. Déjà, je vais remettre un peu. Je vais quand même mettre un peu plus de. Faire prendre un peu l'étain. Mon étain avec l'étain de base. Avant. Histoire d'avoir un peu plus de matière à chauffer. Un poil plus chiant à nettoyer après, mais... remettre du flux, hop. Ouais. C'est chaud, tu m'emmerdes. Pardon, tu me gênes. Alors, 280. On va commencer à 250. Allez. 250. J'ai pas ma troisième main là. Attendez, je sais où j'en ai une.
Bon, du coup, j'ai récupéré la troisième main. Je vais pas mettre la loupe à éclairage dessus. Hop. Hop. Ah. Hop. Mais elle tombe prendre la tête. Hop, là, là, remettre. Puis par là. Hop. Après, je pourrais utiliser la rebilleuse, mais c'est peut-être un peu violent, quoi. Pour ça. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on est à 250. Et on est mal installé. Et on n'a pas de lumière. Hop. Ah mais oui, attendez, j'ai oublié d'en serrer rien. Pas que ça bouge. Oups. Voilà. Là, ça bougera plus. Voilà. C'est chaud quand même. Hop. Passer à 281 pour voir. Faut rester longtemps dessus, Quentin, ou... T'as l'air d'en avoir déjà fait au final. Au moins de connaître. Un peu. Ah, d'accord. Ouais, effectivement, le... Ça fume, hein. Je sais pas si ça se voit à la cam, mais ça fume.
Voilà. Effectivement. Effectivement, Quentin. Oula. Bon, maintenant, il faut nettoyer tout ça. Chiant. Ah, il va me saouler, lui. D'accord, Quentin. Ah, j'ai pas de formation de base. Par contre, je vais peut-être éteindre lui parce qu'il me sert plus à rien pour l'instant. Et moi, j'apprends sur le tas, donc. Oh là là, ça par contre, ça me gonfle au plus haut point. Ah merci déjà. Et quand il reste de l'étain au milieu, peut-être remettre un peu de flux en marque. Voilà, effectivement, avec du flux, ça va beaucoup mieux. Mais non. Non, j'en ai plus, Quentin. D'où le fait que ça m'énerve. Faut que je recommande, mais j'en ai plus. D'où le fait que je fais un peu avec les moyens du bord. Je déteins là-dessus. Hop. Ça met un peu le fer. On va le faire comme ça. L'avantage, c'est que c'est du traversant, donc c'est pas trop pénible. C'est un moyen.
Ah oui, quand même. Mais pas depuis aussi longtemps que ça. Ah, techniquement, si. Vu que je suis plus vieux que toi. Le ratio est à peu près le même. La tresse a dessoudé, c'est pas mon fan non plus. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà. Ouais, il en reste un tout petit peu là. On va essayer de l'enlever. Voilà. Normalement, c'est bon. Bien, normalement. On va nettoyer tout ça. Tac, tac, tac. Chiffon, chiffon, chiffon. Hop, ça. Voilà. Ne pas remettre le fer à souder tout de suite, hein, bien sûr. Non, c'est de l'alcool, quoi, quand même. Potentiellement extrêmement inflammable. Voilà, bon, c'est propre, bon, c'est pas tout à fait top, mais bon. Alors, donc. Il va effectivement se poser un petit souci de type n'est pas le bon USB. JNTC J5 C01. Ah, attendez, je reviens.